Vas-y Simba, fonce! Accroche-toi Mufasa! Arrêtez, on l'a tous encouragé derrière notre écran! On l'a tous fait! L'enfoiré! Longue vie au roi! Je la connais par cœur, quoi. Elle est là, l'animation la plus triste d'Internet, les mecs. Elle est là! C'est elle! Indétrônable! Qui n'a pas versé sa larmichette à ce moment-là? Je te réveille! J'en chiale encore! Viens, rentre! S'il vous plaît! Ça m'arrache le cœur quand je le vois crier à l'aide comme ça. Oh, putain, puis cette musique derrière, ces chœurs de chorale et ces violons. Pff, ils viennent tout flinguer, quoi. Mais qu'est-ce que je peux faire, alors? Sauve-toi, Simba. Pars, pars, très loin, et ne reviens jamais. Tellement mythique. Chiale encore, bordel, putain. Ah, il l'aura pas volé, son pouce bleu, va. Bon, et bien écoutez, on va essayer de se remettre de nos émotions tranquillement. Alors, je vous avais envoyé sur Twitter, je vous avais demandé de m'envoyer les animations les plus tristes du net. Mais des animations à en faire chialer une madeleine, quoi. Alors, vous avez été quelques-uns à répondre à l'appel, notamment Dark Jumper, grosse dédicace à toi. Et on a également Ilias qui nous a envoyé des liens sous le tweet. Donc, Ilias, big dédicace à toi aussi. J'avais lancé le même post sur YouTube. Et là, c'est pareil, vous avez été plusieurs à m'envoyer des liens. Alors, on va bien entendu pas pouvoir tout regarder durant cette vidéo, mais éventuellement, si vous me faites péter les jambes minimum 4000 pouces bleus et je compte sur vous, on fera un deuxième épisode et je vous demanderai vraiment de m'envoyer vos animations qui vous ont fait le plus chialer. Alors il y a pas mal de liens qui sont hors sujet également. J'avais demandé des animations, donc c'était soit des dessins animés, soit des animations en 3D. Alors il y en a qui m'ont envoyé des essais de ne pas rire. C'est pas pour cet épisode là les mecs, ça c'est pour une autre fois. Avant que la vidéo commence, petite pub, n'oubliez pas bien sûr que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par le petit lien G2A avec le code Jolotte pour acheter vos jeux moins chers. Également, vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez des petites pubs sur Utip. C'est gratuit et moi ça m'aidera beaucoup vu que cette vidéo est forcément démonétisée. Non là clairement elle va être strikée mais de tous les côtés. Alors si c'est qu'une démonétisation, ça va, mais si elle est bloquée dans tous les pays du monde, on est dans la merde. Comme par exemple cette vidéo qui est juste la plus populaire de la chaîne, qui a plus de 2 millions de vues, mais que vous ne voyez pas puisqu'ils se sont réveillés 2 millions de vues plus tard pour me la bloquer dans tous les pays du monde entier. Quelle tristesse mon gars. Tiens, j'avais oublié de me mettre un pouce bleu sur celle-là. Ce qui arrondit le chiffre à 38 000. Je doute fort qu'on puisse faire mieux, mais on y croit. Bon, eh bien, on commence tout de suite avec une vidéo de Ilias qui nous dit clairement, là, tu vas chialer mon gars. D'ailleurs, la dernière fois, on avait fait un live sur Instagram et Ilias avait participé. Big dédicace à toi. Chien guide. Ah bah c'est parti mon gars. Sous-stern guide de dogs présente. Alors, j'espère juste que cette vidéo va voir le jour, qu'elle ne va pas être bloquée dans le monde entier. Ça se trouve, je la tourne dans le vent. Cœur de pierre. Est-ce plus triste que Mufasa? D'accord, donc c'est un chien qui arrive dans une école de chiens guides. Je bois un petit coup, hein. Oh, il est trop petit. Allez, il passe. Il est trop petit pour appuyer sur le bouton. Et là, c'est la décadence totale. Il saura qu'il aura jamais sa médaille. Ah, quoique, il a une idée. Aussi, laissez parler vos émotions dans les commentaires. N'hésitez pas à chialer s'il le faut. Ok, donc là c'est l'heure du grand examen. Oh ah, il s'est raté. Viré. Le pauvre.
Ah! Il va très certainement trouver une nouvelle maîtresse. Non. Ah oui, les autres ils peuvent pas passer. Ah, il s'est fait applaudir quand même. Il l'a eu sa cape. Les chiens sauvent tous les jours des vies pour les gens qui ne voient pas très bien. En clair, c'était ça. Ilias! Il était beau! On est en dessous de Bunny qui nous a envoyé une vidéo. Ok, c'est y part. Va-t-on pleurer? Va-t-on rester de marbre? Plongeons-nous dans l'émotion. Faut ressentir la musique et tout, les émotions, le... Faut tout ressentir, faut faire qu'un avec l'animation. Changing battery. Je vais boire un petit coup, excusez-moi. Frais. Alors, une petite dame qui reçoit un colis. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Désolé, maman. Je n'ai pas pu mettre encore cette année. D'accord. Cette année pour toi. Quelle traduction approximative que je viens de vous donner là. Ok, reçoit un robot. J'ai envie de chialer, mon gars. Le pauvre robot. Ah ouais, d'accord. C'est un esclave, quoi. C'est des robots assistants de vie, en fait. Ils font le ménage, ils arrosent les fleurs et tout. C'est triste, déjà. C'est un rire nerveux, hein. Il est mignon, ce petit robot. Vous savez, dans ce genre d'animation, dans les films, dans tout, c'est tout le temps la bande son. C'est la musique qui, tu vois, voilà. On te mettrait le même truc avec une musique de Patrick Sébastien derrière. Par exemple, la mort de Mufasa avec Torcher les serviettes derrière de Patrick Sébastien, ça passe crème, mon gars. Clinique du docteur Wong. Le 5 juillet 2012. Ah oui, il voulait aller au cirque. Eh, c'est vrai, il a vu la pub à la télé juste avant. Il dit oublie pas ton petit chapeau.
Ah, il essayait de la recharger avec des piles. Ah bah non, ça marche pas. Bon, du coup, il a laissé le cirque de côté, quoi. Très belles les notes de piano derrière. Oh! Il s'est sacrifié pour rejoindre sa maîtresse dans le monde de l'au-delà. C'est beau, hein? C'est beau. On va regarder celle de Momo et Coco qui nous dit « Salut mon petit Jolot, tu es mon youtubeur préféré. Tiens, voilà une animation très triste pour moi. » Très bien, on va voir ça. C'est parti. La vidéo la plus triste du monde. Essayez de ne pas pleurer. Essayez de ne pas pleurer. On va boire un petit coup. J'espère que la musique va pas être bloquée. La vidéo va pas être bloquée avec toutes les musiques, justement. Ce serait dommage. Bon, elle va prendre des droits d'auteur, ça c'est sûr et certain. Hein. Donc, pour le moment, c'est un couple qui ont eu un enfant. Il a fêté son anniversaire. Voilà. Là, c'est son anniversaire. Il joue un peu à la console. Ils grandissent. Ils ont eu un petit chat. Là, ils font un petit feu de camp. Après, ils se marient. Ils ont un petit chien et tout. C'est le gros cliché, quoi, tu vois. Voilà. Voilà, ils ont eu un petit garçon. Qui fait de la voiture. Le chien qui prend son bain avec le gamin, normal. Ah, le chien qui s'est fait écraser. Là, il a eu un contrat, il part à l'armée pendant que sa femme est malade. Je pense que vous l'aurez compris, hein. Ça se finit assez tragiquement. Très tragiquement même. On va pas pouvoir tous les regarder, très clairement.
Mais par contre, pour un deuxième épisode, n'hésitez pas à m'en renvoyer, à faire péter aussi les petits pouces bleus sous la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir de vous accueillir parmi la communauté. Aujourd'hui, vraiment, je me suis ouvert à vous. On a vu des vidéos très tristes. Bon, sur ce, je vais couper l'enregistrement. Je vais aller chialer dans un coin de ma pièce. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Bisous, bisous.